à tous. Donc ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas pu faire de tournage là. Donc je suis vraiment content de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va faire une petite pêche sur la matinée, parce que là il y a grosse chaleur encore d'annoncer aujourd'hui. Donc on va éviter, on va éviter d'essayer la canicule et le mauvais timing dans la journée. Et aujourd'hui donc on va faire une pêche avec la nouvelle MTX 3 V2. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser, donc il me tarde de voir ce que ça donne un peu en action de pêche. La pêche aujourd'hui elle va se dérouler sur un petit plan d'eau public de la région bordelaise. On est sur le plan d'eau de Bernatet pour ceux qui connaissent. Voilà, un petit plan d'eau qui est très très bien géré par l'association. Et alors j'ai cru comprendre de par certains pêcheurs qui avaient eu une grosse fraye l'année dernière et que depuis les poissons s'étaient bien acclimatés et avaient un petit peu grossi. Donc a priori on devrait faire une petite pêche, une bourriche un peu atypique. J'ai entendu parler de tanches et de petits carpillons, donc c'est un truc que j'aime bien, découvrir un peu les petits frayons qui ont grossi, un peu comme on avait fait la vidéo l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus exactement, au parc de Majolan avec les petites carpes, c'était très sympa. Et aujourd'hui, a priori, il y aurait des petites carpes et il y aurait quelques tanches à faire. Donc on va essayer tout ça. J'ai déjà mouillé l'amorce, là, le temps de poser le matériel. Au niveau de l'amorce, c'est très simple, hein. J'ai fait une poche d'amorce étang et un petit peu de TTX fin, un tourteau de maïs, histoire d'avoir un petit truc à manger quand même dans l'amorce. Donc là je vais pêcher, je pense, alors j'ai pas encore sondé, je pense que je vais pêcher à 9 mètres. Et puis on va voir comment ça se déroule. Dans un premier temps, vu que c'est des poissons pas très éduqués, je vais partir sur une ligne, puis après on verra s'il y a besoin de monter des kits. Mais là je vais monter une petite ligne en 0,50, il n'y a pas trop d'eau, il doit y avoir dans les 1 mètre d'eau à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter la ligne, je vais la monter complètement, comme ça sera pour l'occasion de vous montrer un peu, rien de compliqué, hein. C'est du fil, un flotteur, des plombs, hein, comme pour tout le monde. Et puis c'est parce qu'il y en a déjà, on m'a déjà posé la question, on m'a déjà demandé comment est-ce que je montais mes lignes. Vous allez voir, hein, je fais comme tout le monde, il n'y a rien de sorcier. Donc je vais attraper ce qu'il faut et puis on va monter les lignes. Je viens de fixer le nylon sur l'élastique. Voilà, simple système par boucle là sur le Dacron. Donc là j'ai coupé mon fil à la longueur approximative du kit par rapport à la profondeur que je dois avoir. Alors il y a deux écoles, il y a ou celle-ci où on met la ligne sur un kit, on monte sa ligne et après on la retire. Voilà, ça permet d'avoir la taille exacte. Ou alors il y a également la technique avec le plioir où on prend la taille du plioir. On la multiplie par deux en fait, c'est-à-dire quand on fait un tour autour de sa ligne, si le plioir par exemple fait 15 cm, quand on fait un tour ça fait 30 cm, si on fait 10 tours ça fait 3 mètres. Bon, ça permet de pouvoir monter des lignes à la maison en sachant la longueur qu'on veut et la longueur qu'elles feront sans avoir à déplier de kit. Il suffit juste de doubler la longueur du plioir et de compter le nombre de tours. Voilà. Donc là pour aujourd'hui, là pour commencer, je vais monter un nouveau flotteur Matrix. Ils sont vraiment très très bien finis, très très chouettes, il me tarde de les essayer, c'est pareil, première fois que je vais pêcher avec. Donc là j'ai choisi un Finesse Limewire en 0,50, donc petite antenne rouge. Donc simple, hein, je passe mon nylon dans l'œillet, après je vais mettre mes gaines. Donc les gaines, c'est les Pole Float Silicone, ça s'adapte pile poil au flotteur, hein, c'est fait pour. Donc là j'ai pris une gaine transparente, je vais mettre trois petites gaines, donc deux assez courtes qui vont être enfilées en premier et la dernière un peu plus longue pour laisser dépasser en bas de la quille. En fait ça évite toujours les emmêlages quand on emboîte ou quand la ligne se met en place, le fait d'avoir un petit peu de battement au niveau de la quille, c'est toujours mieux. Alors on laisse pas non plus 3 cm, hein, mais je veux dire
on va dire un gros demi-centimètre, c'est pas mal. Voilà, donc là par exemple pour un flotteur, donc pour le Finesse Slim Wire là en 0,50, c'est la gaine silicone en 0,3 qui va dessus. Oui, je l'avais pas dit, le nylon, j'ai monté un nylon en 14 centièmes. Pourquoi tout simplement parce que je risque de mettre des balines peut-être jusqu'à 12. Alors je sais pas quelle taille font exactement les poissons, vu que c'est des poissons qui ont grosso modo un an, qui datent de la fraye de l'année dernière. Bon, ils doivent pas être très gros, mais je me dis qu'on sait jamais, y a peut-être un poisson un peu plus joli qui peut se promener. Et surtout, vu que c'est des jeunes poissons, il y a peu de chances qu'ils soient très très méfiants. Voilà, je pense pas qu'ils aient été surpêchés non plus. Donc voilà, le flotteur avec les gaines. Et donc vous voyez, là on laisse dépasser l'angle que ça donne. Ça va protéger le bas de la quille au niveau des emmêlements quand on va mettre la ligne en place. Voilà, donc là bon, on le remonte un peu. Moi ce que je fais, c'est qu'en général je laisse toujours un tout petit peu plus long que ce que je veux, parce que l'endroit où je vais pincer mes plombs, en fait je vais le supprimer après, je vais le couper. Ça évite d'avoir une partie de la ligne qui est un peu mâchouillée par l'écrasement des plombs, quoi. Voilà, donc là on a la ligne, le fil, et là je vais commencer à mettre les plombs. La boucle on la fera après, comme je disais, parce que justement on va supprimer un morceau de ligne. Voilà, donc là je commence mon plombage. Donc là pour la masse principale, je vais partir sur 3 plombs de 6. Je vais voir ce que ça donne au niveau flottaison là. Et puis après je vais adapter avec des plombs plus petits. Là c'est l'histoire de faire ma groupée principale. Voilà. Et puis comme je connais pas les flotteurs, on va y aller à tâtons. Voilà, donc là on voit qu'il manque quand même du plomb. Hein. Bon, pour le serrage des plombs, j'utilise une pince à bout plat, très simple. Je vous déconseille évidemment de faire avec les dents. Hein. Le plomb et les dents, c'est pas du tout recommandé. Alors je sais bien qu'il y en a plein qui le font, mais c'est surtout quand même plus propre quand c'est fait à la pince. Donc là j'ai 3 plombs de 6, 3 plombs de 9. On va vérifier le plombage, on va voir ce que ça donne. Sachant que ma ligne, je veux qu'elle soit quand même assez sensible, parce que bon, c'est pas non plus des gros poissons. Donc là je suis vraiment à ras. Alors sachant que c'est une antenne légèrement porteuse parce que plastique, je pense que je vais rajouter un plomb de 9 pour voir ce que ça donne. Et moi j'aimerais la plomber à mi-antenne à peu près. Donc je pense que là, vu que comment ça dépassait, je pense qu'un plomb de 9 ça devrait être bon. Et puis si c'est pas bon, j'en enlèverai un et puis je mettrai un plomb de 10. Voilà, là on voit que l'antenne est déjà. Elle n'est pas à mi-antenne, mais l'antenne est déjà. Le corps est sous l'eau. Alors quand on va avoir ajouté le bas de ligne et les asticots, enfin les gauzers ou le pelé, je pense que ça sera à mi-antenne. Donc on va commencer comme ça. Et après, après il est toujours temps en cours de pêche de rajouter un plomb. Hein. Ça c'est pas un problème. Autant en compétition. Il vaut mieux quand même avoir des lignes relativement bien équilibrées et pêchantes dès le début. Autant là, bon, c'est pêche détente, je peux me permettre de perdre 30 secondes pour accrocher un plomb, c'est pas ce que ça met. Voilà, il n'y a pas de temps perdu, quoi. Voilà. Donc là, la ligne, elle est simple, hein. Il y a 3 plombs de 6, 4 plombs de 9, 7 plombs sur la ligne. Bon, sachant qu'on va pêcher dans 1 mètre d'eau, on ne va pas avoir une plombée très technique. Je pense que ça sera ou un peu étalé ou groupé s'il y a vraiment des touches. Et voilà quoi. Donc là on n'est pas sur une ligne hyper technique. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un peu mes plombs. Je vais couper l'endroit où j'ai pincé mes plombs. Et je vais faire ma boucle pour le bas de ligne. Là je vais utiliser un bas de ligne.
Ben pour pouvoir varier en fait le diamètre du nylon et la taille de l'hameçon. Parce que pêcher en direct sur ce type de pêche, je suis pas super fan. Sachant que ça fait au moins 15 ans que je suis pas venu ici et que je sais pas encore à quoi les poissons vont prendre. Donc voilà, si c'est pour pêcher avec un maïs ou un pelé ou bien un rubis, bon, c'est pas le même hameçon quoi. Voilà. Donc voilà, la boucle est faite. Coupe le fil, le bout de fil, on le garde, on le jette pas. Et après, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais mettre donc un plomb de neuf à la boucle. Voilà, ça sera mon plomb de touche. Je vais descendre un autre plomb de neuf au premier tiers de la longueur entre le plomb de touche et la masse principale, sachant que la masse principale est à peu près à 25 cm. Donc là, on voit, il y a la masse principale qui est ici. Là, il y a un plomb intermédiaire et le plomb de touche. Donc bon, ça va descendre assez rapidement avec la masse principale. Et après, il va y avoir une petite souplesse en bas. Bon, c'est une plombée un peu type comme pour les pêches de gardon quand ça mord bien quoi. Donc je vais partir là-dessus. Et puis on verra. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de... Enfin, je vais regarder l'amorce, voir si elle a gonflé comme il faut. Et puis je vais mettre un bas de ligne et on va amorcer. Voilà. Et puis avant d'amorcer, par contre, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va sonder. Ça peut être pratique. On va pas brûler les étapes là. J'ai envie de pêcher, c'est pour ça que je suis un peu... J'y vais un peu vite en besogne. Voilà. Donc vérifier l'amorce, sonder et pêcher. Dans l'ordre, ça sera bien. Et peut-être même un petit café avec Emilien, histoire de se réveiller, parce que le réveil à 5h ce matin, il a été assez violent avec la pleine lune en ce moment-là, mal à dormir. Donc voilà, c'est parti. Je vous reprends dans 30 secondes et puis on continue. Voilà, donc là, je vais terminer le sondage. Donc voilà, la ligne est parfaitement... Parfaitement réglé. Voilà, quand je laisse la bannière détendue, on voit que le flotteur se met vraiment à fleur d'eau. Donc là, c'est parfait. D'autant plus qu'avec le vent de face, bon, qui est pas très fort, mais quand même présent. Du coup, j'ai une bannière assez courte, ça va me permettre de rester quand même relativement sur les boules. Et ce que je vais faire, c'est que je verrai en cours de pêche, mais si la pêche est un peu compliquée, je rajouterai peut-être un élément pour aller voir derrière l'amorce et du coup je ressonderai. Mais là, c'est impeccable. Je vais marquer mon fond et puis voilà, je vais commencer comme ça avec la ligne vraiment sondée à raser. Et puis après, je verrai comment ça se passe, s'il y a besoin de pêcher plus sur le fond ou si ça prend comme ça. Voilà, donc là on va être parti. Je vais mettre quelques gauzères rubis dans l'amorce. Je vais envoyer 5-6 petites boules, on va pas charger trop, et puis voilà, et puis on va pêcher, c'est le moment. Donc voilà, les plombs, ils vont rester tels qu'ils sont, tels que je les ai mis tout à l'heure. Je les changerai plus tard si besoin est. À mon avis, je vais peut-être les redescendre un peu pour que le flotteur quille plus vite. Mais voilà. Voilà, donc la marque est faite. Moi, pour la marque de la profondeur, j'utilise du Mystique parce que c'est très visible et très facile à enlever. Ça marque absolument pas les kits. Donc pour moi, c'est vraiment l'idéal, quoi. Voilà. Donc là, je vais préparer mes boules. Et puis on va pouvoir amorcer et commencer à pêcher. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par piquer un rubis et puis on va envoyer la ligne. Ah oui, chose que j'avais pas dite, donc là c'est un
un kit match numéro 2 monté avec un slick en 1-4 et puis voilà. Allez, c'est parti. Ah bah d'accord, le rubis il est même pas arrivé au fond. Il y a déjà eu une touche. Donc là, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la plombée, voilà, avec le poids de l'asticot, ben on a mis antenne. C'est nickel. Là, c'est marrant, la ligne n'a même pas eu le temps de quiller au premier coup. Et là, elle repart pas. Ah si. Voilà. Premier poisson. Qu'est-ce que c'est? En tout cas. L'élastique sort pas beaucoup quand même. Voilà. Un bébé tanche. C'est tout mignon. Tout mignon petit bébé tanche. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. On va laisser. Un rubis, ça a l'air de faire le taf. Alors pour l'instant, je vais pas commencer à fronder. Ah, encore une touche. Ah, mais une deuxième tanche. Un tout bébé tanche. Vraiment, c'est vraiment une fraie de. Ben, je sais pas de quand elle date cette fraie, mais. Les poissons sont vraiment tout petits, elle est encore plus petite que la première. Toute petite tanche. C'est marrant, c'est assez atypique comme pêche. Alors à mon avis, vu le poids des poissons, si c'est ça pendant 3 heures, on va pas faire 10 000, ça c'est sûr. Mais par contre, à la fin, on risque d'avoir une belle boule de petites tanches. Alors, au niveau du bas de ligne, je ne crois pas l'avoir dit, j'ai mis un bas de ligne en 10 centièmes pour commencer avec un hameçon de 16. Voilà, donc bah, vu la taille des poissons, pour l'instant mon élastique en 1-4 et mon cordeline en 14 n'a aucune espèce d'intérêt. Mais a priori, ça ne gêne pas plus que ça. Et puis bon, ça me permet aussi de mettre un bas de ligne plus fin. C'est pas gênant. Mais bon, il doit bien y avoir autre chose que des frayons de tanche, je pense, à prendre. Et puis là, le fait que ça se soit arrêté aussi vite que ça a commencé, à mon avis, c'est plutôt signe qu'il y a peut-être autre chose. Mais autre chose quoi? J'en sais rien. Ah, ah. Eh oui, c'est ça. Wow, 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 wow. Je vais me faire déglinguer ou quoi? Je crois que c'est une maman tanche. Bon, elle est pas très grosse, hein, mais on va y aller gentil en 10 centièmes. Pas non plus que ça tire trop. Bon, ça va, ça tient, hein. on n'est pas en rupture, hein, mais wow. Mais par contre, voilà, je veux dire, pour pêcher en 10 centièmes en bas de ligne, un numéro, un slick en 1 ou un 2 aurait été largement suffisant. Oh, et merde, décroché. Ah, j'ai du mucus, donc à mon avis, je pense que c'était une plaquette, une belle plaquette. Merde, je suis déçu. Thank you.
c'est peut-être pour ça que ça décroche, quoi, les bouches fines là, des plaquettes avec l'élastique 1-4, c'est peut-être ça. C'est certainement ça même d'ailleurs. Ah la voilà, la plaquette. Ah mais du coup c'est une belle plaquette quand même. Hein. Bon mais écoute, on va faire avec. Hein. Pourtant bien piqué. Hein. Bien doré, joli poisson. Donc c'était bien ça le mucus tout à l'heure, hein, que j'avais vu sur la ligne. C'était bien une plaquette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le fond que je voulais rajouter, 2-3 cm là, histoire que ça mange plus sur le fond. J'ai 4-5 cm de traîne. Et très peu de bannière. Bon, en même temps, l'amorçage a été quand même assez précis. Donc là, ça me permet de vraiment pêcher vraiment sur mon tas de boules. Par contre, comme je disais, si je voulais voir derrière, il faudra vraiment mettre un brin de plus parce que là, il n'y a pas de ficelle. Sont légèrement plus gros, je sais pas ce que c'est pas une brème, on dirait un petit carpo. Ah oui, oh là là, une commune énorme. Ah, ça fait plaisir. C'est un peu ce petit poisson tout mignon. Encore une nouvelle espèce, un énorme black bass. Décidément aujourd'hui je pêche dans la nursery, quoi. Ah, donc là, je vais de vider la bassine d'amorce au rappel à la main parce que là il me reste très peu de temps de pêche, donc j'essaie de rameuter un gros poisson pour essayer, voir, il me reste encore un quart d'heure, 20 minutes, donc ça va être très vite. J'ai envoyé 6 boules, à la troisième boule le flotteur il est parti, j'ai fait un petit carpillon, quoi, vraiment entre les boules, quoi. Lui il a pas eu peur du tout, donc voilà, là je vais finir comme ça là sur le fond après mon rappel, pour essayer de reprendre un joli poisson et de le sortir, surtout parce que j'en ai touché 4 et j'en ai sorti un seul. Alors ça par contre, je suis vraiment vraiment déçu là-dessus parce que ça aurait quand même mis un peu de volume dans la bourriche. Après bon, l'essentiel est fait, on venait pour essayer de prendre ces petits poissons, ces petites tanches et ces petits carpeaux qui apparemment avaient frayé.
Bah, c'est fait, on a quand même fait quelques-uns. Hein. C'est pas un gros rythme depuis le début. Hein. On a pêché 3 heures avec un rythme de quoi de, un poisson tous les 5-6 minutes avec des trous. Alors les trous, je sais pas trop à quoi ils sont dus. Mais en tout cas voilà, donc c'est pas une grosse bourriche, mais c'est une petite pêche marrante, quoi, on va dire, sur une matinée avec une poche d'amorce d'étang et l'équivalent d'un quart de gozer rubis. Donc vraiment là c'est pêche bon marché quoi. Une ligne, pas de kit. Je veux dire c'est une pêche vraiment accessible à tout le monde quoi. Il n'y a pas de frais quoi. Donc on peut presque pas faire beaucoup moins cher. Hein. Voilà, donc là, 2 minutes après vous avoir quitté, mais là je vais encore me faire atteler. Ça me fait un travers sur 10 mètres à fond la caisse. Après ça revient, ça sort 30 cm d'élastique. Mais je voudrais bien savoir ce que c'est comme poisson, parce que j'ai eu 3 combats comme ça, j'ai perdu les 3. À mon avis, c'est violent comme un poisson de rivière, quoi. Je sais pas si c'est pas un saumon fumé. Oh la vache. Mais c'est vraiment bizarre comme touche. Enfin, comme combat plutôt. Et pourtant, c'est pas gros, quoi. Alors, au début, les combats que j'ai eu d'un peu similaires, c'était des brèmes. Mais franchement, des démarrages comme ça pour des petites brèmes, je trouve ça hyper curieux. Et là, c'est quoi? C'est... Ah, mais d'accord. Mort de rire. C'est un carpillon qui doit faire 147 grammes à vue d'œil. Et il tatèle... Regardez-moi ce spécimen attelé quoi. Et comme quoi les élastiques slick, il n'y a pas photo, c'est des élastiques qui sortent. Hein. Pour amortir des rushs un peu violents, je pense que c'est vraiment ce qui se fait de mieux quoi. Et puis alors niveau résistance, je vous en parle même pas. C'est pas compliqué, hein, j'en ai jamais cassé. Hein. Même en les utilisant hors utilisation recommandée, c'est-à-dire en pêchant avec des nylons un peu trop gros sur des élastiques un peu trop fins, le truc il s'étire, il s'arrête jamais de s'étirer et il casse pas. C'est vraiment les slicks, c'est vraiment le top du top. Voilà, donc fin de la partie de pêche, 3 heures de pêche. Donc de tout venant, on va dire, avec une petite boule de petits carpillons et surtout pas mal de petites tanches, comme vous pouvez le voir, toutes ces petites tanches mignonnes, une jolie brème qui est venue nous voir dès le début, on en a perdu 2 autres comme vous avez pu voir, et puis voilà quoi, des poissons très sains, hein. C'est une fraie de l'année dernière je pense, avec toutes ces petites tanches là, qui sont toutes mignonnes et qui demandent qu'à grandir. Donc je vais les remettre à l'eau sans attendre. Et puis voilà, pêche simple au rubis, une ligne, une poche d'amorce. Donc voilà quoi, il y a, je sais pas, une quarantaine de poissons en 3 heures. Peut-être un tout petit peu plus, je sais pas. Voilà, c'était sympa. Donc moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une pêche, théoriquement, si on fait comme on a prévu, une pêche un petit peu originale. Qui est pas tous les jours en vidéo, donc on est en train de préparer ça avec Emilien. Et puis voilà quoi. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois. Allez, au revoir.